ça. T'as pas fait les ailes? Attends, c'est pas mal. Là, il a peur, il a accéléré. Ah, il va là, super. Tu vas par où? Par là ou? C'est par là. Vous devez dire une blague pendant que vous êtes en train de faire votre appel. Ça va être très court alors. D'accord. Qu'est-ce que je n'ai pourquoi l'enfant tombe de la balançoire? Parce qu'il a pas de bras. Que dit une grenouille? Croix, croix. Ah mince! Ah, j'ai la force! C'est moi qui fais qui. Non, mais je rigole. Oh, moi je suis pas con, moi. Green light go, that's all I know. And when I roll, I'm in control. Don't matter what they say, no, I don't care. Ain't gonna walk away until I'm there. Move all day and I never get tired. Move all day and I never give up. Move all day and I never get tired. Move all day and I never
Alors qu'il est 21h02, on se dit qu'il faudrait rentrer au Airbnb parce qu'on repart ce soir. Est-ce qu'on va faire nos valises en rentrant ? Pas du tout. On va plutôt passer une heure à tester l'achat du jour. La crazy bastard sauce. Du piment ! Si elle meurt, on fait quoi ? La tienne, Étienne. Oh ! Il a débordé ! Attends, faut touiller. Léandre, tu tiens comment ? J'ai glissé, chef. J'en ai plus beaucoup, là. Tu bois un cul sec, non ? Non. Si, cul sec. Non, mais c'est mort, je vais mourir. Pour combien cul sec ? Ben, pour combien je prends les pâtes à côté de moi ? La sauce, elle glisse. Bah oui. J'ai marqué. Je vois. Il a raison. J'ai marqué. Allez, c'est parti. Oh, il a fait cul sec. Ah non. Ouais, c'est mon truc, ça. Merci. J'ose pas glisser. Non, c'est bien. J'étais là. Non, les mains, j'ai posé là. Bah, je crois que je vais. Léandre, ta réaction ? J'ai envie de goûter. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Quelle horreur. Les ça va ? Non. Est-ce que ça vaut le coup que je goûte ? Pastèque ! Lily va manger le saucisson. Bye. Papa. Easy, franchement. Sérieux? Ça tout saute, ça tout saute. J'ai l'impression que ça vient. En vrai, ça va. West Poutine. Un bol de. Mais non. Oh non. C'est pas grave, vous le donnez à moi. Vas-y Rémi, c'est dans la boîte. Allez, Rémi. Attends. Rémi, ça vient un peu. Tiens. Et bois bien. Hein. Tiens, croque là-dedans. Oui. Allez, glou. C'est un peu. Je vois moi. C'est mieux alors. Tu veux du fromage ? Ah, on doit boire le truc et rester en contact chaque fois. C'est vraiment ce challenge refus. Non. C'est pour. Il faisait trop chaud. C'est horrible. Tu m'en couvres qui se lève ? En vrai ? Merci. Mais pas vraiment. Non. Oh, je vois. Il y a plein d'eau. Attention, ça coule. Lily, je veux vraiment que tu goûtes là-dedans. Regarde cette tête. T'as été la plus warrior d'entre nous, mais ça, c'est vraiment l'horreur. C'est vrai, toi, t'as mis tellement beaucoup. Bon, bah, je veux bien. Ouais, t'as prévu là. Je vais mourir. Verre d'eau plus piment. Molière, acte 1. Et on frappe. Et le premier qui pleure, il a perdu. Ah ouais, c'est un bande de fragiles. Bah ça va. Ah, et vous? Ça va et vous? Tu après, veux c'est une... Bah reprends une. Elle a pris une petite lichette. Bah franchement, ouais. Bois-nous un demi-verre. On a pris une belle petite gorgée. Elle trempe ses lèvres. Elle trempe la mamie. Je bois tout. La mamie. Non. Mais non, mais une gorgée. Une gorgée. Avec la peau. Super. Ça a piqué dans les narines, ça. Elle a bu ça comme ah une chute. Ah oui, là, c'est une belle gorgée. Ah. En vrai, ça pique, mais c'est supportable. Tant mieux. Ah ouais, j'ai plus de voix. Ah bon. Oh, le petit gros. On n'arrive pas, non. C'est un coup, les malades, quand on prend ça. T'as de la CMR. On est dans le nez. Est-ce que ça a un coup que j'ai eu? Regardez-moi ce carnage, on se croirait au Moyen-Âge. Après cette expérience, on peut appeler ça comme ça, vous pouvez vous dire, bah,
ça y est, ils ont fait leur truc, ils vont faire leur valise parce qu'ils partent quand même très bientôt. Pas du tout, on est parti manger. Bon, à ce moment-là, il est minuit et demi, la fatigue commence à se faire ressentir. On décide d'aller manger des currywurst, parce qu'après ce qu'on vient de faire, évidemment, le curry, c'est ce qu'il nous fallait. Mais les choses vont pas aller en s'arrangeant. Là, il est à peu près 1h du matin, on décide de rentrer à la maison pour enfin faire nos valises. Une fois qu'on arrive devant le Airbnb, je sors les clés, je rigole et malencontreusement, je fais tomber les clés dans une sorte d'égout juste en dessous de la porte. Comment vous dire que là, c'est la panique, on sait plus trop quoi faire. Mais on arrive quand même à se calmer, bien qu'il n'y avait absolument personne dans la rue qui pouvait nous aider. Nous, évidemment, on n'avait rien d'utile pour essayer de récupérer cette clé. Il y a une dame dans la boutique d'à côté qui était fermée. On a quand même toqué et tout. On a essayé de lui parler. Elle comprenait pas l'anglais. Heureusement qu'il y en avait trois dans le groupe qui parlaient allemand, vite fait. Mais du coup, elle nous aide. Elle va sortir un bâton, du scotch, tout, des trucs. C'est un peu MacGyver. Et elle nous dit aussi qu'il y a une cave en dessous de là où on est, où on pourrait en fait accéder à en dessous de l'égout et récupérer la clé à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on fait, la dame elle galère et tout pour essayer de nous récupérer la clé. Léandre et Romane qui étaient dans la cave ressortent très victorieux finalement avec cette clé. Et on peut reprendre nos activités, c'est-à-dire faire nos valises, on doit se dépêcher. Pourquoi on doit se dépêcher? Non pas parce qu'on va prendre l'avion, non, non. Parce qu'on a réservé un escape game. À 2h30 du matin, au milieu de Berlin, on sait pas comment y aller parce que le GPS nous dit de la merde, finalement. C'était absolument hilarant.